C'est parti pour la première du jour. Le super départ de Davy Jeannet, le champion de France. Le freinage là-bas sur le mouillé. Et Davy Jeannet, le vainqueur de l'année dernière ici même, avec sa nouvelle voiture, la Skoda Yako. En effet, Davy Jeannet, alors pourquoi on le retrouve? Il n'a malheureusement pas pu s'élancer hier avec la Skoda au début de la deuxième manche qualificative. Et Davy Jeannet, le champion de France, nouvelle structure, nouvelle voiture pour cette saison 2024. C'est comme Laurent Bouillou qui est passé maintenant pilote. Donc de la 208 ex World Eric cet hiver et virage du raccordement pour le champion de France. Et le ça patine devant nous, les chronos descendent, sauf que, alors là, maintenant c'est un récital d'une Skoda. Le petit taxi prend une avance sur de 18 engagés pour la première de la saison 2024 dans cette catégorie Reine des Supercars. C'est ça, c'est alors, c'est un peu le propre du pilotage. C'est que tu mets derrière quelqu'un qui va vite au fil des tours, tu vois que malheureusement, tu en perds un petit peu, il va falloir passer par le tour de l'avion. Ça va changer, ça va passer tout. Et la toute nouvelle Skoda pour cette saison 2024, le pilote Yako. C'est incroyable comme ça patine devant nous. Alors, quand ils sont à l'extérieur, ça patine pas. Oui, c'est un sentiment, t'as raison, Jean-Jacques, on voit. Rouliner la ligne droite. Allez, partir en terre, forcément, sont en train de sécher les parties d'asphalte également. Hein. Finalement, ils vont passer tout dans le quartier du tour. Eh ben, si tout va bien, je pense que j'y souffle, là. Lévi va peut-être y aller, ouais, il y va. La perle à grâce, Laurent Bouillou aussi. Oh, Laurent Bouillou qui s'est fait à l'arrêt, peut-être que vous avez joué à votre chrono. Allez, on passe à votre ici, au sol de ces 4 motrices, ces monstres de plus de 600 chevaux. Et le premier temps de référence, Jean-Jacques Davy Jeannet, hein, les 4...